Bonjour à tous, donc bienvenue. Donc, je suis avec Jacques, le papa de Céline, qui voilà, qu'on voit souvent à l'Assemblée connectée. Et puis voilà, donc je voulais un peu avoir le retour de témoignage, parce que suite à un Zoom, il s'était passé quelque chose de miraculeux, mais voilà, je voulais avoir aussi un peu le témoignage au complet de Jacques, de ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc, si tu veux te présenter un petit peu, Jacques, d'où tu viens, qu'est-ce que tu avais? OK. Bon. J'ai retrouvé ma fille parce que j'ai eu un gros problème sentimental, ce qui m'a vraiment secoué, on va dire le mot. Hein. Et j'ai eu la surprise, elle est venue avec son mari me voir chez moi pour me remonter un peu le moral. Mais ce qui m'a touché, c'est avant de partir, elle m'a offert la Bible pour me remonter Super le moral. cadeau. Oui, elle m'a fait un joli cadeau. Et puis, ce que je vais retenir de ça, c'est qu'elle m'a demandé d'ouvrir une page au hasard, bien sûr, et puis de lire quelques mots. Alors, je vais vous dire ce que j'ai ouvert, bien sûr, au hasard, la Bible, et j'ai eu la mission d'Ézéchiel. Alors, il m'a dit, Fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. L'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. Donc j'ai regardé ma fille, elle était en pleurs, elle avait plein de larmes, truc, et j'ai compris après pourquoi, parce que bon, vous verrez pourquoi. Alors quelques jours plus tard, je suis parti chez elle parce qu'elle partait en vacances, donc c'était une occasion de retrouver ma fille, parce qu'il y avait tant d'années que je n'avais pas vu. Je ne peux pas expliquer ma vie là, mais Voilà, on comprend pour vous qu'il y avait. l'expliquer, j'ai eu des gros soucis. Voilà. Pour la voir, samedi 17 juillet, j'ai vu et j'ai écouté le pasteur Garib. Voilà, pour la première fois, j'ai vu. Puis Voilà, elle m'a dit, qui œuvre pour l'Algérie, la Kabylie. voilà, j'ai vu et l'ai écouté. Et elle dit, tu passeras après, pour moi, la télé. Je dis, oh non, c'est pas possible. Elle dit, si, 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 si. Alors, j'ai dit, ben, si je passe et puis. Parce que j'avais une maladie de Charcot. Donc j'ai dit, s'il me guérit, moi je promets tout ce qu'il veut, je peux démarcher, je peux être évangélisé, ouais, parler autour de moi, il n'y a aucun souci. Que la maladie de Bon. Charcot, juste pour détailler un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer les Oui, symptômes et ce que ça fait? c'est la dégénérescence des muscles. C'est-à-dire que les neurones qui commandent les muscles ne fonctionnent plus. C'est comme la mémoire, on perd des neurones et Et donc c'est les muscles. on n'a plus de force dans les jambes, dans les pieds, dans les jambes. Donc le souci pour marcher déjà, baisser, je ne pouvais plus me travailler au sol, c'est impossible. Voilà. Et plus ça faisait déjà 15 ans que j'ai été touché, puisque mes parents, mon père et mon frère, ils ont aussi la même maladie, donc c'est héréditaire. Il y a quelque chose de générationnel, Et comme il n'y a pas de remède, Du voilà, moins, en tout cas, depuis 15 ans, bon, là, ça allait, mais depuis 4 ans, c'est devenu l'enfer, quoi. Marche avec la canne Ah oui, je aussi. marche avec une canne, difficilement, et puis c'était l'enfer, parce que cette douleur, c'est 24 heures sur 24. Donc, c'est quand même assez terrible. Voilà, donc, c'était une très, très. Et donc après avoir fait un peu cette annonce, si Dieu me guérit, je le suivrai. Qu'est-ce Oui, oui, oui. J'ai qui s'est promis, passé j'ai dans dit le parcours? j'ai fait la promesse. Donc, moi, je suis un homme de parole. Quand je promets, je promets. C'est ça que je lui ai dit, tu mets Dieu au défi là, papa. Je lui ai dit, attention à ce que tu vas lui dire. Ouais. Voilà. Et puis quand le pasteur Garib, il m'a parlé, bien sûr, il avait vu que j'avais ma canne, il m'a dit de jeter ma canne, de me lever et de marcher. Enfin, que Dieu m'avait guéri d'abord, que je pouvais me lever, enlever ma canne et marcher un peu. Il y avait une marche là, sur le côté, j'ai réussi à marcher un peu. Donc j'étais surpris, les gens m'ont applaudi quoi, que je marchais. Voilà. Et quelques temps après, que je vous explique pourquoi, la première semaine, je prenais ma canne, mais je m'en servais pas. C'était Je par précaution. l'avais en main, mais je m'en servais pas parce que je suis tombé quand même 5 fois, c'est pas beaucoup, mais quand on tombe, ça fait pas du bien, ça dépend de quelle façon. Mais 5 fois, je suis tombé, donc là, ça commençait
a été important. Je chantais vraiment plus mes jambes. Voilà. Donc, voilà, 5 fois. Et donc à la suite de ça, c'est là où on s'est rencontrés. Oui, vous avez parlé à un monsieur qui avait, voilà, que j'avais ma canne, qu'il fallait que je fasse 2 tours de la maison. 7 tours. Alors, pour situer, c'était durant le temps de Zoom de prière pour la guérison et la délivrance du samedi, c'est ça? C'est ça. Oui. Voilà. Oui, alors, vous avez dit qu'il y avait un monsieur qu'il fallait qu'il jette sa canne. Et que je devais faire des tours de la maison sans la canne, donc j'ai fait. D'accord, parce qu'après du coup l'acte avec Garib, il y avait eu une amélioration, mais ce n'était pas encore complet, c'est ça? Non. C'est... Donc au live Zoom, en fait, j'ai eu une parole de jeter la canne et puis de se mettre à marcher. Et donc, c'est ce que tu as fait. Et quand tu as jeté la canne et que tu t'es mis à marcher, alors du coup, qu'est-ce que tu as constaté? Moi, personnellement, je n'en revenais pas. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de ça. Donc, ça te surprenait. Que Dieu était là. Parce que, je suis croyant, mais quand même, vous voyez ce que je veux dire. Je n'y croyais pas. Je m'excuse. J'y croyais pas, hein, parce que je vais vous dire, j'ai pas eu une belle vie, j'ai eu truc, je peux vous dire que je me suis souvent discuté avec Dieu, alors que je savais rien sur tout ça. Je lui disais des choses, que c'était pas possible, que sur cette terre, il y a tant de, vous voyez ce que je veux dire, voilà, mais je comprenais pas, voilà. Donc je discutais toujours avec lui. Ouais. Et puis là, c'est quand même une surprise de pouvoir voir que mes jambes, ça allait. Bon, cette douleur, surtout, cette douleur dans les mollets, je ne l'ai plus. La preuve, je marche, je travaille dans le jardin à Céline, je suis content. Après, je suis fatigué, mais c'est là, j'ai eu une très grande surprise aussi. Donc, c'était pas très vieux par rapport à que Dieu m'avait dit que j'étais guéri. Le 3 août, je me suis levé, vous voyez, on ne voyait pas, non, mais je suis assis sur mon lit, là, que le Seigneur a mis à disposition. Je me lève le matin, je ne me lève pas tout de suite, j'attends 4-5 minutes pour me réveiller un peu. Puis moi, je me suis réveillé à 6h55, je l'ai même noté, j'ai vu la lumière de vie ici, c'était... Je me demandais où j'étais, parce que ça ne m'est jamais arrivé, bien sûr. Il y avait une lumière intense, ça a duré pas trop longtemps, 20-30 secondes, je ne sais pas, je ne savais pas où j'étais. Et après, j'ai vu que j'étais ici, et puis c'était, quand ça s'est atténué, tout était redevenu noir, tout, et j'ai vu la lumière de vie. Donc ça va marquer, je crois, très longtemps, parce que je l'ai vu. Et du coup, de cette rencontre et de ces attouchements de l'amour de Dieu qui amènent un processus de guérison, Céline, elle m'a annoncé encore une bonne nouvelle, c'est que elle m'a annoncé que tu allais te faire baptiser donc prochainement. Samedi. Oui, wow. Samedi qui arrive, oui. J'ai fait une promesse et je vais m'en occuper, sincèrement. D'ailleurs, j'en parle déjà, oui. Il y a des gens parce que... Ils racontent des gens. Je raconte des gens vu... Puis j'ai une donne aussi... comme mes jambes vont beaucoup mieux, j'ai décidé d'en bosser. Donc, je vais aller retravailler. Je vous explique que, voilà, si vous voyez, j'écris des contes pour enfants. Ouais. Voilà. Donc, je faisais du porte-à-porte 5-6 heures par jour. Du porte-à-porte. Hein. Donc, après, bien sûr, j'allais voir les mairies, etc. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de réponses. Il n'y a rien de tel que le porte-à-porte. Des gens, il y a toujours des gens sympas. C'est dur, le porte-à-porte. J'écris des contes pour enfants. Hein, donc, je pensais que les enfants, ça passerait plus facilement que d'écrire autre chose. Donc, je fais rêver les enfants. Voilà. C'est ce qui m'a sauvé dans la vie, c'est le rêve. Donc, pour moi, c'est important. J'écris pour les enfants, donc pas de violence, pas de grossièreté. Ça, c'est important pour moi. Que de l'amour et de l'amitié. Voilà. C'est les valeurs du royaume de Dieu. Hein. Mais il ne savait pas, c'est ce que je lui ai dit. Tu es d'amour et aimer les autres comme soi-même. Voilà, c'est mes 2 premiers livres. Donc c'est le... Voilà, donc ça, c'est le premier que j'ai écrit. Ça, c'est la suite.
Donc, pour l'instant, j'avais arrêté le... J'écris le troisième, bien sûr, la suite du deuxième. Et... Alors, je voulais tout arrêter parce que, comme j'ai des problèmes de jambes, je ne pouvais plus démarcher. Hein, que vous aviez ? Oui, que tu avais. Que j'avais, oui. C'est du passé. Et c'est pour ça que j'ai décidé, dès que je suis baptisé, je vais retourner voilà, amen, sur le amen. Terrain. Voilà. Donc, j'ai des contacts avec les gens. Et surtout, je veux être conteur et je veux aller devant des enfants. Nous qui sommes des grands enfants, ben on a aussi besoin d'un livre qui va nous raconter les merveilles de Dieu et nous éduquer dans l'amour. Donc voilà, la Bible est là aussi comme pour nous conter ces choses-là, nous qui sommes des grands enfants. Voilà. Ben, en tout cas, voilà, c'est glorieux. Et même le témoignage, le fait de si Dieu me guérit et je crois que je suis guéri, qu'il y a un processus de guérison, que Dieu a parlé, le fait de me positionner dans la victoire, de me dire je vais travailler, je ne vais pas rester attentif, je ne vais pas rester dans une condition d'esclave de la maladie, et ben, c'est un témoignage et c'est le fait de se lever, de se positionner dans la victoire de Dieu. Et bien souvent, j'ai vu les personnes vivre des miracles simplement en prenant cette attitude de victoire. Donc, moi, vraiment, je t'encourage là-dedans parce que la Bible, elle dit « Soyez mes témoins » et le fait de témoigner, on peut témoigner en parole, mais témoigner en acte, en œuvre, que non, ça va et que ce n'est pas la maladie qui a le dernier mot, mais c'est la vie qui va surabonder, bah, je trouve ça extraordinaire. Amen. Amen. Oui, j'ai dit « Comment me donner une deuxième chance, je vais tout changer dans… » Enfin, là, c'est seulement en train de se remuscler, hein, mais mes mollets, je les sens plus, ils me brûlent plus déjà. Donc, ouais. Ça, c'était terrible, les mollets qui brûlent. On a l'impression que ça brûle. C'est une douleur 24 heures sur 24, donc il y en avait marre. Quoi. Donc quel message tu voudrais dire aujourd'hui à travers tout ça à ceux qui écoutent ton témoignage par rapport à Dieu? Quel conseil tu leur donnerais ou qu'est-ce que tu voudrais leur faire passer? Ben, qu'ils fassent comme moi, avoir un contact avec un pasteur et puis parler de ses soucis, de sa maladie ou ses maladies. Et puis bon, si on entend ça, Dieu dit que vous étiez guéri, on ne peut pas expliquer dans le cœur ça. C'est formidable, hein, parce que là, j'étais certainement au bout de vie, parce que ça montait jusqu'à mes bras maintenant. Hein. Donc j'étais plus loin de... Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, ouais. C'est une deuxième chance. Donc voilà, ce témoignage, moi j'espère que vous serez encouragé à vous tourner vers Dieu. Et Dieu peut passer à travers des hommes, mais voilà, la rencontre que Jacques a fait aussi de cette lumière, ben, la vie c'est de le connaître et Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun de ses enfants. Et si vous cherchez, ben, comme Jacques il a fait, si vous cherchez, vous trouverez. C'est ça. C'est important aussi, puisque je vois qu'il y a Céline qui est là, et Céline qui est chrétienne, et qui, quand on est chrétien, bien sûr, on prie, on intercède pour nos familles, et puis c'est aussi un témoignage de la fidélité, de la grâce de Dieu et de l'exaucement des prières. C'est ça, après moi et mon papa, on a vécu séparés longtemps, très longtemps, et du coup, il y a des choses que je ne connaissais pas de mon enfance, tout, et là, de se rencontrer, de mettre au clair des choses, quand on dit que la vérité nous a franchis, c'est vraiment ce qui nous est arrivé. Et quand on dit qu'il va restaurer nos cœurs, mais aussi nos familles, mais qu'il va ramener le cœur des enfants vers leur père, c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et moi, des fois, j'ai encore du mal à réaliser parce que des fois, je suis juste en train de boire mon café avec mon papa et j'ai dit, mais j'ai espéré ça toute ma vie, en fait. Et là, de voir que Jésus l'a touché comme il l'a fait avec moi parce que j'étais dans les ténèbres aussi. Et aujourd'hui, il lui donne la vie et je lui dis, ben, on va aller annoncer l'évangile à deux maintenant, enfin à trois avec ma sœur, bien sûr. Et du coup... c'est là que, bah oui, le fruit des prières, quand il dit « Toi et ta famille, tu seras sauvé ». Alors, des fois, on se dit quand, comment, mais Seigneur, il connaît nos cœurs, quoi. Ouais. Wow. Voilà. C'est glorieux. Donc voilà, la maladie de Charcot qui est vaincue par la puissance de la parole de Dieu. Donc ça a commencé à toucher l'épaule, c'est bien ça, ça a monté des jambes, ça a commencé à... Ça a monté, le bras droit, ça a commencé les muscles aussi à être pénibles. Donc après, il n'y a plus que la poitrine et...
Et après, c'est la fin, puisque on meurt étouffé, hein, puisque les muscles qui travaillent. La mort, elle est en même temps, atroce, quoi. Juste le médecin, j'ai parlé avec des médecins, ils ont dit que sa maladie ne trouve pas une solution. Il faut pas de remède. Il faut un miracle. Et ben voilà, voilà le miracle. Merci Seigneur, merci Jésus. Et puis, on se réjouit pour ce baptême et ce passage d'une ancienne vie à une nouvelle. Voilà, merci Seigneur pour ta grâce. Et puis, vous êtes beaux, hein, tous ensemble. Hein.